I give you all the glory. I worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Les couleurs de la vie. Dieu appelle chacun de nous avec un don qu'il a posé dans chaque personne et ce don sert à servir le Seigneur. Et ce jour, j'ai le plaisir de recevoir une personne dont Dieu se sert et dont Dieu veut encore se servir encore et encore plus. J'ai nommé Chimène. Bonjour Chimène. Bonjour Lady Storm. Alors, vraiment bienvenue dans cette émission, Les couleurs de la vie. Vous êtes la bienvenue sur ce plateau et c'est une joie pour moi de pouvoir recevoir une servante de Dieu. Alors, on a envie de savoir qui êtes-vous. Parlez-nous un peu de vous pour que les téléspectateurs puissent savoir qui se présente devant eux. Merci beaucoup, Lady Storm, pour la parole et je salue tout le monde qui nous suit en ce moment, qui nous suivent en ce moment. Je salue ma famille, je salue mon mari, je salue tous les téléspectateurs de la télévision Gloire TV. Que mon Seigneur vous bénisse. Et nous, par la grâce de Dieu, je pense que nous allons passer des bons moments pour la gloire de Dieu. Comme vous venez de le dire, je suis Chimène Manzambi. Je suis chantre de l'Éternel. Et je suis chantre aujourd'hui, mais avant toute chose, je suis chrétienne. Et chrétienne née de nouveau. C'est-à-dire, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai été baptisée et après, j'ai commencé à servir le Seigneur. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, je peux venir parler de ce Dieu-là parce que je sais qui il est et je sais aussi ce que ce Dieu a fait de ma vie. Amen. Oui. Très bien. Alors, vous grandissez dans une famille chrétienne. Exactement. Vous entendez parler de Dieu dès le bas âge. Oui. Vous savez qui est Jésus, qui est Dieu. Vous savez qu'on doit aller à l'église. Vos parents vous l'inculquent. Et je peux dire, c'est à quel moment que vous comprenez que servir Dieu, c'est autre chose que d'aller à l'église, que d'avoir un rituel, une sorte de coutume en fait, d'habitude. À quel moment de votre vie où vous comprenez que c'est autre chose que cela, où vous prenez conscience que vraiment, moi aussi, je peux servir Dieu autrement que de simplement aller à l'église, simplement faire comme tout le monde. Avant de répondre à votre question, je veux dire, comme vous venez de le dire tout à l'heure, je suis née d'une famille chrétienne. Je suis deuxième fille de la famille de quatre frères. Tout le monde de ma famille chante. Mon papa, ma mère, tout le monde. Tout le monde chante. Donc Dieu nous a fait grâce. Depuis ma naissance, je sais que je dois aller à l'église. Tous les dimanches, on ne travaille pas, c'est le jour du Seigneur, on va à l'église et tout. Et j'ai commencé à chanter depuis que j'avais 8 ans à l'église, jusqu'à aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, avant je chantais parce que je sais que j'ai une belle voix et je dois aller à l'église parce que c'est comme ça, il faut aller à l'église. Mais il y a eu un moment où je chantais comme tout le monde chante. Je commençais à être invitée. En fait, j'avais un groupe à l'église, au fait. C'était une chorale des enfants à l'église que je chantais. Et après, quand je suis devenue adulte, je devrais quitter cette chorale-là. Et il y a eu des gens à l'extérieur de mon église qui ont commencé à m'inviter pour aller chanter dans leurs églises et tout. Je me suis dit, mais je suis connue.
je peux aller chanter. Avant même que je commence à chanter avec des musiciens connus de mon pays. Mm-hmm. J'ai commencé déjà à chanter toute seule, invitée, je partais chanter toute seule. Mais je ne prenais pas toujours conscience de ce que j'avais déjà. Mm-hmm. Et je commençais aussi à chanter avec des musiciens professionnels de mon pays, connus et tout. Mais c'était toujours, j'ai la belle voix et tout. C'était le plaisir. Oui, c'était le plaisir. Mm. Mais il y a eu un moment, il s'est passé des choses. Moi, je dis que c'est Dieu qui a permis pour que je puisse avoir cette conscience-là de moi, en fait. Mm-hmm. Il s'est passé des choses dans ma vie, je devrais même mourir. Et j'étais en prière avec ma mère, parce que c'est vraiment elle, c'est vraiment mon intercesseur, c'est ma maman. J'étais en retraite avec ma mère, et Dieu m'a dit des choses que je ne peux jamais oublier. Et c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Mm. Et Dieu m'a rassuré que je suis appelée. Mm. Dieu m'a dit que je devrais me prendre... me considérer comme une servante de Dieu. Mm-hmm. Parce que je ne peux pas tout détailler à la télévision, c'est moi et mon Dieu. Parce que j'avais ça en moi. Et après ce moment de retraite-là, je commençais à voir Dieu autrement. Quand je me mettais à chanter, c'était autre chose. Mm-hmm. Et ce qui a fait que j'étais effacée dans le milieu musical de mon pays. Il y a même d'autres qui disaient que je ne pense plus que Chimène est au pays. On croit qu'elle est... Alors que j'étais encore au pays, mm-hmm. je ne chantais plus. Je me suis vraiment retirée pour, reculer pour mieux sauter. Exact. Et depuis ce jour-là, je peux dire qu'au travers de cette retraite-là, je fais une rencontre personnelle mm-hmm. avec mon Dieu. Et maintenant, quand je dis que je suis chantre de l'Éternel, je sais ce que je dis. Et quand je chante, je sais ce que je fais. Je ne chante pas parce que j'ai une belle voix, parce que j'ai cette possibilité-là de chanter ou de réaliser un album ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais je chante parce que je suis d'abord évangéliste. Et pourquoi je dis évangéliste? Parce que j'évangélise au travers des chants. Moi, je ne peux pas ouvrir la Bible comme les pasteurs Storm le font. Hein? Ils nous prêchent et tout. Mais moi, je sais que quand je me mets à chanter, Dieu touche les cœurs des gens. Il y a des vies qui changent et la gloire de Dieu descend. Donc du coup, je sais ce que je suis. Je peux me dire que je suis une servante de Dieu. Mm-hmm. Comme vous l'avez dit, voilà pourquoi en préambule, j'expliquais à nos téléspectateurs que Dieu met un don en chacun pour le servir avec. C'est ça. Et ce qui fait que justement, vous prenez conscience justement au cours de cette retraite spirituelle, on peut appeler ça un rendez-vous divin. C'était vraiment avec un Dieu, rendez-vous divin. Où c'est comme une révélation. Mm. C'est comme si Dieu vous disait dorénavant, tu me serviras au travers de ta voix. Dorénavant, ta voix ne sera plus une passion ou un loisir ou un lobby. Ça sera mon travail. C'est vraiment un instrument que Dieu veut vraiment utiliser pour sa seule gloire. Mm-hmm. J'ai même rencontré un musicien. un musicien qui n'est pas chrétien, pour ne pas dire mondain ou quoi que ce soit, qui n'est pas chrétien de chez nous au pays, parce que je suis du Congo Kinshasa. Il m'a dit, mais toi, tu chantes bien, tout ça, tu as une belle voix. Mais pourquoi tu ne viens pas chanter avec moi dans mon album et tout? Moi, je lui ai dit, c'est pas question de ne pas vouloir chanter avec toi ou quoi que ce soit. Mais c'est un vœu. Mm-hmm. Moi, je suis née que pour chanter pour ces dieux-là. Amen. Il m'a regardé, là, il m'a dit, ça ne va pas. Il n'a rien compris. Et je crois qu'un jour... il comprendra que lui aussi, il est appelé pour adorer que ces dieux-là. Mm-hmm. Donc, ça peut paraître comme si tu étais folle ou quoi que ce soit, parce que les gens ne comprennent pas toujours. Oui. Ils disent que mais chez Dieu, là, ça ne marche pas vraiment comme chez nous, là-bas et tout. Mais moi, j'ai dit, je sais qu'il m'a appelé. Mm-hmm. Je sais qu'il est capable de faire de moi tout ce qu'il veut. Mais moi, ce que je veux d'abord, c'est faire ce qu'il me demande de faire. Le reste, c'est à lui de le faire.
Très bien. En tout cas, je vous encourage et je félicite votre détermination. Amen. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, énormément de chanteurs, de chanteuses, de chantres, mais malheureusement qui finissent dans le monde. Pourquoi ? Parce que attirés par, Les biens matériels, par les biens matériels. Les succès. Exactement, le succès. Mmh. Alors que ce que Dieu donne, c'est pour qu'on le serve avec. C'est comme si il... C'est comme si on avait des mains. Mmh. Je disais, bah, serre-moi, travaille. C'est ça. C'est un outil de travail. C'est ça. C'est exactement pareil pour la voix que Dieu donne aux chanteurs, aux chantres, aux chanteuses. C'est pour la seule gloire de Dieu et non pour la gloire de ce monde. C'est Alors, à quel moment, justement, de votre vie ou à partir de quel âge où vous faites de ça votre outil de travail? C'est depuis que j'avais 21 ans. C'est un long parcours. Je vous ai dit que j'avais 8 ans jusqu'à 21 ans. Bon, je ne dirais pas que c'était vraiment du gâchis, mais c'est Dieu qui a permis. J'étais vraiment trop jeune quand j'ai commencé à chanter, même avec des grands de mon pays. Mm-hmm. J'étais vraiment trop jeune, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce pour que je me réveille à cet âge-là. Amen. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup que je connais aussi, beaucoup qui sont perdus comme ça. Hein. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Amen. Et je pense là. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et que toutes choses arrivent pour notre bien, effectivement. Mm. Disons-le clairement, Dieu qui connaît toutes choses savait que si vous le faisiez avant... Peut-être que vous aussi, vous serez attiré par les attractions de ce monde. Et donc, 21 ans, Dieu a jugé que c'était l'âge de votre maturité spirituelle aussi. Donc, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Vos regards sont fixés sur Dieu, sur votre voix. Ma sœur, je vous dis, parce que bon, on est à la télé, on ne peut pas tout parler. Déjà vu le temps et tout, il y a d'autres émissions qui doivent passer après. Mais j'ai même dit à mon mari, moi, je dois écrire un livre. Parce que Dieu a fait tellement de choses, il est bon. Mais on veut quand même bénéficier de ces choses, donc parlez-nous, les téléspectateurs et moi-même, voulant aussi bénéficier de ces choses que maman, Dieu a faites. Ma maman, elle est pasteur aussi, ma mère. Elle me disait, Chimène, considère-toi comme, quand j'étais encore, je crois que j'avais encore 15 ou 17 ans, elle me disait toujours, considère-toi comme une fille qui a 35 ans, pense... Moi, je ne comprenais pas, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle aussi? Mais elle, en tant qu'une servante de Dieu, elle voyait déjà... Le potentiel. C'est ça, que Dieu avait mis, c'est ça. Moi, je ne comprenais rien du tout. Et du coup, à force de ne rien vouloir savoir, à force de ne pas comprendre ce que Dieu me disait au travers de ma mère, j'ai fait face au combat. Et si je vis aujourd'hui, c'est Dieu. Amen. C'est Amen. Dieu, c'est vraiment Dieu, Dieu, Dieu. Alors aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes chantre pour Dieu. Mais est-ce que chantre, vous le faites qu'au sein des églises ou est-ce que vous le faites aussi lorsqu'on vous invite dans des célébrations, des fêtes? Dans quel cadre justement vous exercez? Eh bien, merci beaucoup. Je suis chantre d'abord dans mon église. Ça, il ne faudra pas le louper. Parce que d'abord, c'est un problème qui d'autres collègues, je peux dire, qui, d'autres sœurs ou frères qui chantent aujourd'hui, ils n'ont pas des églises, au fait. Ils se disent que, bon, moi je suis chantre, je suis musicien, déjà, ils disent, je n'ai pas besoin d'appartenir dans une église. Et le fait d'aller ailleurs, gauche, droite, là, ça suffit. Mais non, mais moi, je dis toujours que avant de chanter, on est d'abord chrétien. Et être chrétien, tu dois avoir une église. Tu dois avoir un père spirituel. Donc, moi, j'ai mon église. Je suis tous les dimanches à mon église avec mon pasteur. Et si jamais je suis invitée, bon, mon pasteur, il est au courant, il sait que Chimène, c'est une servante de l'Éternel, donc du coup, elle peut être invitée par-ci, par-là, tout ça. Mais si je n'ai pas des invitations, je suis tout le temps dans mon église. Et preuve en est que dans mon église, je fais partie d'un groupe de l'église où je chante aussi. Je ne suis même pas responsable là-bas, j'ai aussi des dirigeants, tu vois. Donc du coup, je fais partie de mon église. Et si jamais j'ai des invitations,
ça vient toujours. Bon, Dieu nous a appelés d'aller évangéliser, que pas seulement dans Jérusalem. Mm-hmm. Il nous a dit aller dans Samarie et tout et tout. Donc, de la terre, Dieu permet qu'on soit aussi invité dans d'autres églises ou dans des mariages et des conventions, séminaires. Et par la grâce de Dieu, nous organisons nous-mêmes aussi des activités, des célébrations, des moments de louange, d'adoration, pour toujours élever ces dieux-là. Très bien. Donc, j'ai bien répondu, je crois. Oui, okay. Que vous n'exercez pas simplement au non, pas seulement dans mon église, mais aussi ailleurs aussi, ouais. Ailleurs aussi. Très bien. Et justement, vous parliez de votre mère, qui est votre c'est mon principale mentor. Intercesseuse. Et parlez-nous, enfin, nous, on se pose la question de savoir, enfin, on suppose que vous avez besoin d'un soutien, parce que ce que vous faites, c'est aussi soutenir les autres, c'est quelque fou. Part. Parce que c'est vrai que la nature nous enseigne. Le monde dit, la musique adoucit les mœurs. Et c'est vrai que si on voit au travers de la Bible que Dieu se sert de votre voix pour toucher les âmes, pour toucher, réconcilier peut-être les personnes, pour toucher les cœurs, pour amener les âmes vers Christ, pour vraiment apporter la paix, apporter la joie à ceux qui n'en ont pas. Donc, vous soutenez en quelque sorte les personnes, les nations. Alors, vous aussi, on se demande, on se pose la question de savoir si vous avez vous aussi un soutien. On a déjà une partie de la réponse par rapport à votre maman. Mais on se dit que c'est aussi très important pour vous, le soutien de votre famille, de l'église aussi, le soutien de vos proches, de l'entourage aussi. C'est ça. Maman, je bénis le Seigneur parce que c'est lui d'abord qui me soutient, avant même qu'il y ait ma maman. C'est vrai. Et là où je suis maintenant en Europe, il n'y a pas ma maman. Je n'ai pas ma maman avec moi ici en Europe. Donc du coup, Dieu a permis que je puisse avoir une autre famille. D'abord, qui est mon église et puis le corps du Christ en général. Et tous les pasteurs qui me connaissent ou qui Dieu fait grâce, qui me découvrent par l'Internet ou les CD, quoi que ce soit, ils sont là toujours pour m'encourager, pour me conseiller et sans oublier mon mari. Dieu, franchement, Dieu est bon. Moi, je chante et il m'a donné un mari qui chante et qui joue à la guitare. Waouh! Donc du coup, on est complet. Moi, c'est comme ça Dieu a fait. Même dans nos familles, soit dans ma famille celle de mon mari, on nous comprend vraiment pas. Parce qu'on se fait tellement rare dans nos familles, parce que nous deux, on sort que pour aller chanter. Donc du coup, on n'a même pas le temps d'aller voir nos familles et tout. Et le week-end, on ferme la maison et puis... On rentre peut-être dimanche ou lundi matin parce qu'on vient, de servir le Seigneur. C'est vraiment une grâce que Dieu m'a faite. Vraiment que je bénis le Seigneur pour ça. Et j'ai vraiment un grand, grand soutien de la part de mon mari et du corps du Christ tout entier. Ouais. Le soutien spirituel surtout, le soutien moral, c'est-à-dire le conseil et tout. Et si Dieu touche aussi des gens pour nous soutenir, pour réaliser des concerts ou de journées de louange, quel que ce soit, il y a aussi des gens que Dieu touche. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de soutien financier qui peut faire que l'œuvre de Dieu aille jusque là où Dieu veut que ça aille. C'est ça, en fait. Parce que, par exemple, on peut avoir la possibilité de réaliser un album aujourd'hui. On n'a pas de producteur, on a rien, hein, il n'y a que moi et mon mari. Alors qu'il y a des gens que Dieu a mis vraiment de potentialité pour aider des gens comme ça. Mais pour le moment, Dieu n'a pas encore ouvert des portes comme ça. Maintenant, c'est le pasteur Storm qui va le faire, je ne sais pas. Dieu voulant, pourquoi pas. Vraiment, que la volonté de Dieu soit faite. Et justement, la prochaine question, c'était de savoir, vous avez commencé, enfin, vous avez baigné dans le chant, mais au moment où vous avez voulu justement vous lancer en tant que chanteur professionnel pour le Seigneur, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? C'est ça. Avant, je chantais franchement, je chantais avec tant d'autres musiciens, vraiment, il y a même de ceux que j'oublie même, je ne connais même plus. Mais quand je me suis... Bon, c'est pas moi. Quand Dieu a permis que je puisse réaliser, parce que j'ai deux, je viens de réaliser deux albums déjà.
quand j'ai réalisé mon premier album, Dieu est bon. J'ai travaillé avec quelqu'un qui était en Europe. Il a dit que c'est lui qui va tout financer et tout. On a commencé à travailler et tout. J'avais des musiciens qui sont venus m'accompagner, tout ça. Mais tellement que le diable est toujours là pour nous décourager, pour nous combattre. Si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus le contact avec ce monsieur-là qui a voulu produire cet album-là. Et ça a voulu vraiment me décourager. À part même les messieurs producteurs, il y a eu des moments où quand on venait au studio, c'était bon, on m'a dit que tu travaillais là, tu as tes jours, tu connaissais tes heures et tout, mais quand tu arrives, le studio est fermé parce que le monsieur ne veut pas que tu travailles. D'accord. Comme ça, il ne veut pas que tu travailles. Soit le studio est ouvert, mais il n'y a pas de... Il a tout débranché et tout. Oh. Vraiment, le diable m'a vraiment combattu pendant que je réalisais mon premier album. Et il y a même un chant que j'ai chanté. Et pendant que j'enregistrais les chants, je même pleurais. C'était un chant qui disait « Yesu yo elonga nanga, yesu yo makasi nanga ». C'est en lingala, ça dit « Seigneur, c'est toi ma force ». C'est toi ma victoire. Et qui Melonanga, tu es mon seul refuge. Et c'était après avoir vécu tout ça, et je devais enregistrer ces chants-là. J'ai même pleuré pendant que je chantais. Mais après la sortie de l'album, les témoignages que j'ai reçus de la part des gens, je dis, le diable savait. C'est pour cela qu'il... Les bâtons dans les roues. Mais je dis, bon, j'aime pas toujours crier tout haut de difficultés que je rencontre. J'aime pas. J'aime beaucoup plus parler de victoire parce que... Exactement. J'ai comme l'impression que quand je parle de difficultés, c'est comme si je lève le petit, là. J'ai même pas le temps de citer son nom. Donc, du coup, moi, je me dis, il devrait laisser même nous combattre parce qu'il échoue à chaque fois. Mais tellement qu'il est têtu, bon, c'est pas grave. C'est pour cela qu'il vient tout le temps, mais j'ai un Dieu grand. Amen. Comme un chant qui dit, j'ai un grand Dieu. Amen. Toujours à mes côtés, oh. Un Dieu puissant, il est toujours à mes côtés. Amen. C'est puissant, ce chant. Amen. Donc, ça résume tout, je pense. En tout cas, le plus beau résumé... C'est le trésor que j'ai avec moi. D'accord. Donc, c'est le second album que vous avez sorti, qui s'appelle « Un refuge sûr ». Le nom en lui-même est évocateur. Et j'ai envie que vous puissiez nous l'expliquer justement avant de détailler l'album, qui, je pense, doit intéresser toute la communauté chrétienne. Amen. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu doivent écouter cet album et en bénéficier justement de tous les trésors cachés. Alors, parlez-nous justement, un refuge sûr. En vous écoutant, on comprend que c'est vrai que vous avez vécu des situations qui vous ont poussé. Vous savez, les épreuves sont là pour nous pousser. Pour nous, c'est comme des coups de bâton pour que nous puissions avancer. C'est ça. Donc, les coups de bâton que vous avez reçus vous ont poussé justement tout droit dans les bras de Jésus. Et justement, un refuge sûr. Pouvez-vous nous témoigner justement de ce que Dieu a fait pour vous, pour cet album que vous avez dédicacé, du moins, à ce Dieu-là? Un refuge sûr, je parle de Dieu. Il n'y a que ce Dieu tout-puissant qui est notre refuge sûr. C'est un titre que je tirais du livre de Psaume 91, qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et un peu plus loin, ça dit « Aucun malheur ne m'arrivera. » Moi, je fais de ce psaume ma prière, en fait. Amen. C'est vraiment ma prière. Et c'est seulement le titre de l'album. Il n'y a pas un chant qui dit un refuge sûr dedans. Non, c'est seulement le titre de l'album. Et puis, les différents titres qui sont sur le CD,
rejoint le titre. Un refuge sûr. Je voulais seulement montrer au peuple de Dieu, pas seulement Chimène. Moi, je chante pas de choses que j'ai vues ou j'ai entendues. Non, je chante la vie. Je chante ce que Dieu a fait de Chimène. Si je dis un refuge sûr aujourd'hui, parce que je sais, j'ai peut-être cherché des refuges ailleurs par rapport à mes problèmes, par rapport à mes soucis, mais j'ai trouvé un refuge que je peux même plus m'éloigner. J'ai trouvé un père qui m'a aimé tel que j'étais. Il ne m'a pas condamné, mais il m'a aimé, il m'a accepté et il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et si c'est Dieu a été capable de le faire avec moi, il est aussi capable de faire même plus avec toi qui me regardes aujourd'hui. C'est un Dieu qui est capable de tout. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne sais même pas si ce n'était pas par la grâce de Dieu, je ne pouvais même pas me mettre là aujourd'hui. Et je ne sais pas ce qui se passe dans le cas de l'autre. Là, je pense qu'ils se disent, mais comment ça se fait qu'elle est encore là? Et je ne sais pas quelle situation tu as, toi aussi, qui me regarde aujourd'hui. Je te montre seulement un seul chemin, un seul refuge. C'est ce Dieu-là. Il est capable de tout changer. Il est capable d'appeler en existence les choses qui n'existent pas. Amen. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Amen. Et je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je suis la preuve. Je suis le témoignage de ce Dieu-là. Et il y a même mes amis, quand ils me regardent, ils disent, franchement, toi, tu as été choisi. Même dans ma famille, il y a eu des combats, il y a eu tout. Parce que le diable savait que Dieu m'avait choisi. Et il ne m'a jamais abandonné et il t'abandonnera non plus. Amen. Fais-lui seulement confiance. Amen. C'est le thème, c'est le message que je donnais au travers de cet album. De faire confiance à ces dieux, à ce refuge-là. Vous savez, en France, où c'est pas où, tu peux venir faire demande d'asile, tout ça. Mais peut-être un jour, ils vont dire, ok, c'est bon, dans ton pays, tout va bien, tu peux rentrer. Mais chez notre Dieu, là, quand il t'accepte, il t'adopte même. Donc, tu n'as même plus le temps de dire, non, écoutez, dans mon pays, je ne sais pas, dans l'autre camp, là, ça... Non, tu es à lui. Il y a, dans Psaume 135, un peu plus loin, il dit, l'Éternel s'est choisi Jacob. Moi, je remplace Jacob au nom de Chimène. J'ai dit, l'Éternel s'est choisi Chimène. Amen. L'Éternel s'est choisi Chimène comme son bien personnel. Amen. C'est dans la Bible, dans Psaume 135. Donc, c'est Dieu-là qui s'est choisi, moi. Il peut le faire aussi pour toi. Amen. Et faire de toi son bien personnel. Et quand tu as un bien personnel de Dieu, tout puissant comme il est, même s'il y a de manque, même s'il y a de pleurs, mais en sachant que moi j'ai un Dieu tout puissant, il m'aime. Même si je ne vois pas aujourd'hui, demain je verrai. Amen. C'est ce Dieu-là que je suis venue montrer au travers de cet album. Amen. Alors, un refuge sûr, total gospel. J'ai pris le soin de regarder, de découvrir l'album et je constate qu'il y a 10 titres. Oui. Alors, vous avez fait la part des choses, 5 titres en français oui. et 5 titres en lingala, oui. qui est votre langue maternelle. Oui. Alors, pourquoi ce choix? En français et en lingala? En français et en lingala. Franchement, moi, je n'ai pas calculé les chants. Dieu a permis que je puisse réaliser cet album, il m'avait déjà donné aussi les chants pour cet album. Il y a 10 titres, mais c'est pas vraiment 5 en français, 5 en lingala, non. Mais moi, je pense que la plupart, c'est même en lingala qu'en français. Il faudra écouter. Donc, je n'ai pas fait de choix, quelque chose comme ça, non, mais c'est Dieu qui... Quand j'ai eu ces des chants, j'ai travaillé avec un frère qui m'a aidé pour arranger tout ça. Du coup, on a réalisé la bande. Donc, du coup, je n'ai pas calculé que je veux ça. Non, c'est vraiment Dieu qui a permis que ça soit comme ça. Avec des titres
qui sont évocateurs, qui parlent d'eux-mêmes, exauce ma prière. Ouais. C'est vraiment le cri, ça, c'est le cri à un Dieu. Cri de quelqu'un qui dit que Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Mm. J'ai vraiment besoin, donc je me refuge en toi. En toi. Mm. Et Moussi Kolinanga, c'est mon rédempteur. Mm. Et après avoir refugié vers ce Dieu-là, je peux dire que c'est mon rédempteur. Mm. Parce que ce chant dit Naïebi oyo kaka, euya no laka, ma bondelia, banana yo. Je sais que tu entends et tu exauces les prières de tes enfants. Mm. Amen. Pardon. Pardon, ça dit pardon. C'est pardon, c'est quelqu'un qui s'humilie devant le Seigneur, qui reconnaît ses faiblesses. C'est ça. Mm. Et il demande pardon. Mm. Natondi Yonkolo. Natondi aussi, action de grâce. Merci pour le pardon et je te loue parce que tu m'as pardonné. Amen. Je te rends grâce. J'aime Jésus. Ah. Je l'aime. Je l'aime. Mm. J'étais perdue dans ce monde. Tu m'as cherché, ô Jésus. Tu es venu jusqu'à moi. Tu as fait de moi ta servante. Je t'aime, ô Jésus. Oui, je t'aime de tout mon cœur. Je te servirai toute ma vie. Amen. Amen. Mais restez avec nous parce que dans quelques instants, vous aurez le live. Quelques chansons que notre sœur va interpréter. Donc restez avec nous et soyez patients. Adoration. Adoration, c'est un medley de chants d'adoration que j'ai interprété dedans. Ouais, c'est vraiment un moment à ne pas louper. Vraiment, vraiment pas. Vanité. L'Ecclésiaste n'a-t-il pas dit c'est que vanité ça. De vanité, vanité tout c'est n'est un que... témoignage. C'est pas forcément mon témoignage à moi, mais moi quand je chante, je me mets à la place d'autres personnes aussi. C'est vraiment c'est quelqu'un qui parle de sa vie, de ce qu'il était avant de rencontrer Jésus, et ce qu'elle cette personne est devenue quand elle a rencontré Jésus. Et du coup elle a dit vanité, tout ce que j'ai vécu et la vie c'est Jésus. Vraiment. C'est ça. Amen. Kumama Yahweh. Louange à Dieu. Nzambe Nanguya. Un Dieu puissant. Vraiment. C'est le témoignage de... Ouais, un Dieu puissant. Mais toutes les chansons que j'ai faites en Lingala, j'ai quand même résumé à l'intérieur du CD. Mm-hmm. J'ai résumé en français pour que les gens comprennent au moins ce que je suis en train de chanter. Exactement. Ouais. Tukembelela Nzambi. Tukembelela Nzambi, c'est qui Congo. Ça veut dire « louons l'Éternel ». C'est Dieu-là qui nous a aimés, qui nous a pardonnés, qui nous aime. On n'a qu'à le louer. Vraiment. Ouais. Alors, sans plus tarder, et comme une promesse est une dette, donc sans plus tarder, nous allons vous écouter, interpréter un titre. Donc, on va choisir la chanson numéro 5, J'aime Jésus. Et je pense que vous reconnaîtrez aussi dans cette chanson parce que nous, enfants de Dieu, nous aimons Jésus. Et sans plus tarder, nous allons laisser la place à notre sœur qui va nous interpréter ce chant qui est venu tout droit de l'inspiration du Saint-Esprit pour bénir les nations, pour vous bénir, pour nous bénir. Écoutons. Amen. Chercher, ô Jésus, tu es venu jusqu'à moi, tu as fait de moi ta servante. Je t'aime, ô Jésus, oui, je t'aime de tout mon cœur, je te servirai toute ma vie. Moi, j'étais errante dans ce monde, tu m'as cherché, ô Yaya. Tu es venu jusqu'à moi, tu as fait de moi ta sœur bien-aimée. Je t'aime, oh Yaya,
tout mon cœur, je te servirai toute ma vie. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. Oh moi, j'étais mourante dans ce monde, assise dans les péchés. Tu m'as cherché, oh papa, tu m'as donné la vie éternelle. Aujourd'hui me voici, oh, à ton service. Je te chanterai tous les jours de ma vie, Yahweh. Oh, j'étais mourante dans ce monde. Tu m'as cherché, oh papa, tu es venu jusqu'à moi. Tu as fait de moi ta fille bien-aimée. Je t'aime, oh papa. Oh, de toute ma vie, je te chanterai tous les jours. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. Je l'aime. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. Oh yes. J'aime Jésus de toute ma vie. Oh oh, je l'aime. Oh, je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. J'aime Jésus de tout mon cœur. J'aime Jésus de tout mon cœur. Je le servirai toute ma vie. Oh oui, je l'aime. Alors, j'aime Jésus, quelle merveille. Et j'invite chacun de vous à se procurer l'album de la sœur Chimène Mwanzabi, Un refuge sûr. Dieu a été un refuge sûr pour elle et elle peut le témoigner. Dieu est son refuge sûr, il est aussi le vôtre. Alors procurez-vous l'album où que vous soyez dans tout le monde entier. Justement, sœur Chimène, où peut-on se procurer cet album ?
Pour les gens qui nous suivent, peut-être en dehors de la France ou je ne sais pas, même en France aussi, mm-hmm. ils peuvent télécharger. Vous savez, maintenant, la technologie a tellement évolué. Donc, par téléchargement sur iTunes, mm-hmm. Comme on dit iTunes, mais nous, les Français, vous savez, donc, c'est iTunes. Et puis, Deezer ou Amazon, il y a l'album, ils peuvent télécharger. Ouais, sinon, bien. Ceux qui veulent m'appeler, mm-hmm. il y a mon numéro qui s'affiche, je pense, au bas de l'écran. Exact. Ils peuvent m'appeler parce que pour le moment, c'est moi et mon mari qui distribuent l'album. D'accord. Donc, ils peuvent appeler sur ce numéro, puis il n'y a pas de problème, il y aura l'album. Très bien. Donc, voilà, vous avez entendu, mes bien-aimés, pour tous ceux qui veulent se procurer cet album, vous avez les trois sites que la sœur a cités et vous les joignez directement, ils pourront vous donner les informations nécessaires pour vous le procurer. Alors, avez-vous un mot justement pour toutes les personnes qui vous suivent, qui sont fidèles à vous, tous vos fans, si on peut le dire ainsi, tous ceux qui aiment ce que Dieu a mis en vous et tous ceux qui bénéficient justement de vos chansons, tous ceux qui bénéficient de ces dons-là, est-ce que vous avez un mot pour eux, qu'ils soient partout dans le monde entier? De toute façon, Gloire TV, c'est la télé à la gloire de Dieu, et nous sommes dans les couleurs de la vie, et nous nous adressons aux personnes dans le monde entier, dans toutes les nations. Alors, est-ce que vous avez un mot? Parce que je pense qu'en tant que supporteur de quelqu'un, d'une sœur en Christ, on aime bien aussi recevoir de ces nouvelles, ou on aime bien savoir... Voilà, donc avez-vous un mot pour vos... fidèles frères et sœurs qui vous suivent? J'ai un mot pour mes frères et sœurs. Ils sont pas mes fans, non. Mm-hmm. Il faut être fan de Dieu. Mais ils sont mes sœurs dans le Seigneur et mes frères dans le Seigneur. Et je vous aime beaucoup. Et je vous remercie parce que je sais que vous nous soutenez dans vos prières, partout où vous êtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et la sœur Chimène est là. Nous continuons à servir le Seigneur. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment de programme précis. On vient de réaliser une journée de louange pas longtemps. Donc pour le moment, si Dieu le permet, nous sommes d'ici là, on va commencer le tournage du clip pour cet album. Mm-hmm. Et on reviendra toujours sur ce plateau pour parler de la sortie de DVD. Mm-hmm. Donc pour le moment, nous n'avons pas vraiment un programme précis, tout ça. Mm-hmm. Donc tellement qu'on est en train de préparer le clip. Mais ce que je vous demanderai surtout est que si vous avez la possibilité d'acheter cet album, écoutez les chants. Et je sais que ce Dieu-là ne ment jamais. Moi, j'ai pas peut-être l'argent, j'ai rien à vous donner. Mais je peux que vous demander de faire confiance à ce Dieu qui a fait de Chimène ce que je suis aujourd'hui. Si je peux parler comme ça, si je peux vivre aujourd'hui, c'est que pour ce Dieu-là. Amen. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde cherche à voir la gloire de Dieu dans des domaines différents, quoi que ce soit. Aie confiance à ce Dieu-là. On nous a prêché pas longtemps de chercher l'intérêt de Dieu. Le pasteur nous a dit, vous savez, Anne a été stérile. Et pendant que Anne cherchait un fils, alors qu'en Israël, il y avait un problème, Dieu cherchait un prophète. Ça m'a touchée, je vous dis. Pendant que Anne cherchait un fils, Dieu cherchait un prophète en Israël. Et Anne a dit à Dieu, Dieu, si tu me donnais un fils, je te l'offrirais. Et Dieu a trouvé son intérêt dedans. Et du coup, le miracle a été déclenché. Dans tout ce que vous faites, cherchez l'intérêt de Dieu. Et quand tu demanderas à Dieu, si Dieu trouve son intérêt dedans, il te le donnera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons tout de suite écouter un deuxième chant parce que nous avons pris goût, hein, faut le dire, à vous. Gloire à Dieu. À vos chansons. Et nous allons tout de suite écouter un deuxième chant qui s'appelle, qui est un medley, une suite d'adoration. Donc nous allons adorer ensemble avec vous, Amen. En esprit, unis par le même esprit de Dieu. Amen. On y va pour la deuxième chanson.
give you all the glory. I worship you, my Lord. You are worthy to be praised. I give you all the glory. I worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, oh. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Omega. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois la gloire à jamais. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, toi le seul et l'unique véritable Dieu. Nous t'adorons, toi le Dieu tout-puissant. Toi le Dieu capable. Alléluia. Je t'appelle mon Père parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as fait de moi ton bien personnel. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'adore. Gaina benga kayo papa. Papa ya bani bili, Yesu ozali, pole nangai. Nabinga kayo yaya, yaya ya baliki bili, Yesu ozali, pole nangai. Gai nabinga kayo associé, associé à misala nangaye, Yesu zali, pole nangai. Nabinga kayo Emmanuel, kolokati na bato, Yesu zali, pole nangai. Yahweh, pole nangai, yonde pole nangai, Yahweh, pole nangai, yoza.
Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Tu es ma joie, Seigneur. Tu es mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami, 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 mon meilleur ami. Naki ma wapiye, nazala kase na yo. Gai natale la naniye, kakayo, kakayo, kakayo. Gai nabele la naniye, nazala kase na yo. Tu es le seul qui compte pour moi, Seigneur. C'est toi qui comptes vraiment, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment, tu es digne de louange. C'est toi qui comptes vraiment, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Tu es digne. 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 Tu es digne de louange. Tu es digne de louange, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'adorons. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que vous avez, vous savez de quoi vous parlez. Mmh. Vous en êtes venu à sortir un album suite à pas mal de combats, parce que cet album est une victoire, rappelons-le. C'est une victoire face à l'ennemi, face à l'ennemi qui a voulu vous décourager. Mmh. Donc c'est aussi une façon de dire, voilà, tu t'es trompé sur ma personne. tu as essayé, c'est vrai, tu as essayé, mais tu n'as pas réussi. Et cet album en témoigne. Et je vous souhaite que beaucoup d'autres suivent, beaucoup d'autres albums suivent et d'autres supports aussi, des livres, des DVD, comme vous l'avez si bien dit, et d'autres supports afin que vraiment les nations soient vraiment bénies au travers de tous les supports qui existent. Mmh. Alors, j'en viens à vous par rapport à toutes les personnes. C'est vrai que Dieu donne les dons, ce n'est pas ce qui manque. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément ce que Dieu a mis en elles, et il y a d'autres qui savent ce que Dieu a mis en elles, mais qui ne savent pas les utiliser ou qui les utilisent mal. C'est comme vous le disiez, qu'il y a des chanteurs qui vont, des chanteuses qui vont dans le monde. C'est-à-dire le don que Dieu a mis en eux, ils s'en servent dans le monde, pour la gloire de ce monde. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui ont reçu quelque chose, parce que cela ne vient pas d'un être humain, mais cela vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne ce que l'être humain ne peut pas donner. Qu'est-ce que vous avez à dire comme parole à toutes ces personnes qui mettent leur don justement au service
de ceux qui ne glorifient pas Dieu. Peut-être les conseiller, peut-être leur dire, c'est vrai, le monde propose, mais est-ce que c'est la bonne solution? Merci ma sœur. Je parlerai d'abord de ces personnes-là qui ont un don, mais qui ne le savent pas utiliser peut-être. Tu as un don peut-être de chanter, de prêcher ou de servir le Seigneur, je ne sais pas dans quoi. Mais c'est ce que j'avais dit au début, c'est toujours mieux d'être encadré. D'être encadré par un bon serviteur de Dieu. Parce qu'il y en a aussi par un bon serviteur, c'est-à-dire avoir une église à laquelle tu fais partie. Et dans cette église-là, tu dois œuvrer là-bas aussi, dans cette église-là. Dans cette église-là, ne sois pas seulement un membre qui vient dimanche et puis... Non. Tu dois d'abord commencer à travailler. T'impliquer dans cette église-là. Par rapport au don que tu as, si tu as un don de chanter, tu dois d'abord commencer à chanter dans ton église. Mm-hmm. Ou si tu as un don de protocole, je ne sais pas. L'exercer d'abord dans ton église. Et de là, c'est ton pasteur qui va t'encadrer. Si tu fais confiance aussi à ton pasteur, Dieu va commencer peut-être à t'orienter au travers de ton pasteur aussi. Mm-hmm. Parce que tu peux avoir peut-être un don de chanter, mais ce n'est pas forcément que tu dois commencer à réaliser des albums. Mm-hmm. C'est ça aussi. Peut-être mm-hmm. Dieu t'a appelé pour chanter, mais ce n'est pas pour faire des CD ou quoi que ce soit, mais pour chanter seulement l'église et les gens seront édifiés, bénis, guéris, c'est ça. Mais tu peux pas le savoir si tu ne pries pas toi-même. Ou si tu n'écoutes pas les gens, peut-être ou la personne que Dieu a mis à ton côté pour t'orienter. C'est ça. Mais je sais que c'est vraiment difficile quand tu sais que tu chantes les dimanches, les gens t'acclament et tout et tout. Et tu as envie de faire un CD et puis le pasteur vient te dire, mais écoute ma soeur, toi tu ne peux pas. C'est pas le moment. Tu peux dire, c'est un démon. Tu vois. Donc tu vas vraiment avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire avoir des moments... toi-même d'intimité avec ton Dieu, parce que Dieu peut te parler toi tout seul aussi, ou peut utiliser aussi ton encadreur, ton mentor. Mm-hmm. Parce qu'il y a des musiciens qui chantent aujourd'hui, on ne sait même pas de quelle église il sort, qui est son pasteur, qui est son encadreur, il sort comme ça, suis musicien, suis, je chante, je sais jouer à la guitare. Tu vois, c'est des choses qui nous détruisent aujourd'hui dans l'église. Un chantre, il doit avoir un pasteur, il doit avoir un mentor. C'est ça en fait. Et après, quand tu rencontres un chantre comme ça, il est différent d'autres. C'est comme ça. Et pour cette personne, la personne qui est d'abord chrétien, qui sert le Seigneur d'abord dans son église, bon, c'est un homme, il n'est pas parfait, mais c'est vraiment rare pour qu'un jour qu'il change de côté. C'est la base tout d'abord. Moi, je sais qui je suis. J'ai été appelé, je suis chrétien. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Franchement, je ne sais pas quoi ou qui va venir m'arracher là où je suis pour aller chanter ailleurs. Parce que je sais qui je suis. Je connais, je ne peux jamais nier, changer mon identité. Et pour les gens qui changent de côté, moi, je dirais qu'ils n'étaient pas des chrétiens. Il faisait semblant d'être chrétien. Les bons fondements. Ah, c'est-à-dire qu'il n'était pas de nôtre. Il faisait semblant. Parce que pour une personne qui connaît le Seigneur, moi je vous ai dit, je ne peux pas me mettre à citer les noms de musiciens là, mais ils sont venus me voir aussi pour me proposer. J'avais pas d'argent, j'étais chez moi, j'étais au pays et tout. Je pouvais bien accepter pour que je sais pas pour voyager, avoir je sais pas quoi, mais j'ai pas vu tout ça. Je savais qui j'étais. Et je suis fière de le dire aujourd'hui. Et pour ceux qui se laissent acheter facilement, ils n'étaient pas de nôtre. Mais bon, si Dieu est Dieu, il fait grâce à qui il veut. Peut-être qu'un jour Dieu le ramènera. C'est notre prière. Mmh.
Mais c'est vraiment malheureux de voir de sœurs, de frères que tu connaissais, de chrétiens qui servaient le Seigneur, changer de côté facilement pour le matériel et tout. C'est vraiment... c'est malheureux, quoi. Mais c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Il est capable de le ramener. Mais tout part de la base, quoi, du fondement. Tu peux pas te proclamer aujourd'hui, ma soeur, chanter, te mettre devant les gens et après les gens t'acclament. Si tu n'es pas fondé spirituellement, tu vas te dire que mais, ça y est, c'est bon, hein, je peux partir, je peux faire ce que je veux. Mais pour quelqu'un qui sait que même si les gens acclament, ce n'est pas moi qu'ils acclament, ils acclament Dieu. Je peux chanter comme je veux, même si je fais tomber les gens et tout. Ce n'est pas ma gloire à moi, c'est à Dieu. Si tu te considères comme ça, tu ne vas pas te perdre. Tu ne vas pas te perdre. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à ces personnes qui se sont perdues? C'est-à-dire qui ont été attirées par la gloire personnelle. Si on peut le dire ainsi, par l'argent, par tout ce qui brille, par tout... Par l'aisance financière, par l'aisance matérielle aussi. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y a une chanson de votre album, la numéro 7, qui dit « Vanité ». Oui. Ce qu'on peut dire, c'est une vanité, c'est une succession de vanités qui ne mène à rien. C'est la mort même. La Bible nous dit « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Et il ne la fait suivre de qu'un chagrin. Et... nous connaissons tous, on regarde à la télé, nous savons tous où cette richesse ou cette bénédiction les amène. Parler à nos frères et sœurs qui sont ailleurs, pour le moment peut-être ils ne vont pas me comprendre. Ils vont dire, mais elle, ils ne vont rien comprendre. Moi ce que je ferais, c'est plutôt de continuer de prier pour eux. Parce que pour le moment, même si je crie, même si je leur dis que c'est vanité ce que vous faites là, ça vous amène nulle part. Tellement qu'ils sont dedans, ils ne vont rien comprendre. Et je préfère prier pour eux. Que c'est Dieu, si vraiment ils sont de Dieu, ils sont de nôtre. Mais le diable a voulu le dévier. Dieu est capable d'aller le récupérer. Ils reviendront. Ils reviendront. Mais n'empêche de dire que vanité de vanité, Salomon avait tout. Avait tout. Je ne sais même pas s'il y a un roi aujourd'hui qui avait des femmes ou d'argent comme Salomon. Mais à la fin, il a dit vanité de vanité, tout est vanité. L'argent, les voitures, je ne sais pas quoi, là, Dieu est capable de te le donner. Et tu vas même pas en périr. Non, non. Et s'ils sont de Dieu, ils reviendront. S'ils n'étaient pas de nous, ils vont partir. Mais Dieu est bon. Nous continuons de prier pour eux, que Dieu leur fasse grâce. Amen. Dieu vraiment leur fasse grâce. Moi, je suis convaincue, nous sommes dans le bon. Qu'ils viennent nous rejoindre. Amen. Qu'ils viennent nous rejoindre pour tous ensemble servir l'Éternel. Le Seigneur, le Dieu, l'unique et le véritable Dieu. Et c'est comme la sœur Chimène le disait, comment dirais-je, Dieu est bon, Dieu gracie qui il veut. Et prions pour tous ceux qui ont reçu de Dieu, mais qui ont préféré l'utiliser dans le monde. Et comme nous sommes la communauté chrétienne, le corps du Christ, et donc c'est à nous d'intercéder pour nos frères, pour nos sœurs qui se sont détournés de Dieu, afin de bénéficier des plaisirs de ce monde qui ne sont que vanité. Sœur Chimène, avez-vous un dernier mot pour toutes ces personnes qui vous suivent de partout ailleurs, de toutes les nations, de tout le monde entier. Ouais. Un dernier mot à leur dire. Vraiment, je suis contente de parler de ces dieux avec vous. Et déjà, je remercie la télévision Gloire TV de m'avoir recevoir vous avoir reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui nous a suivis aujourd'hui. Je ne cesserai jamais de dire, de faire confiance à ces dieux. C'est ça que Dieu m'a donné. C'est ce que j'ai à vous dire. Je n'ai rien d'autre à vous demander que de faire confiance à ce Dieu et de lui rester fidèle.
Il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui... Tu peux avoir l'idée de te détourner de ce Dieu-là. Tu peux dire, mais ça traîne. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas ça, je ne vois pas tout ça. Mais Dieu est Dieu. J'avais dit là, pendant que je parlais de l'intérêt de Dieu, fais confiance à Dieu et cherche dans tout ce que tu fais l'intérêt de Dieu. Et tu ne seras jamais déçu. Quels que soient les problèmes que tu as, quel que soit, je ne sais pas quoi, ce que tu as, nous avons un Dieu qui est capable de tout changer. Et quand tu lui fais confiance, il va te montrer aussi qu'il est vraiment ton Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles sur la télé Gloire TV. Par la grâce de Dieu, procurez-vous le CD, je ne sais pas, par iTunes ou par Amazon. Ou contactez-nous par le numéro qui s'affiche. Nous vous aiderons comment trouver l'album. Et je sais qu'au travers des chants qui est interprété dans cet album, Dieu va encore vous visiter et il vous bénira. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. The Lady of Faith, Chimen Mantabi, un refuge sûr. Si vous voulez vous aussi écouter son témoignage au travers de ses chants, voici l'album, un refuge sûr pour elle, mais aussi un refuge sûr pour vous. Quel est ce refuge? Dieu Tout-Puissant. Alors, procurez-le-vous et écoutez les chansons qui ne sont que pure bénédiction. Chimène Mazabi, oui, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission, merci, Les couleurs de la vie. Et nous espérons vous recevoir très prochainement sur ce plateau pour une autre victoire. Amen. Parce que le diable a menti sur vous pour une autre victoire qui glorifiera encore et encore le nom de Jésus. C'était Lady Storm dans votre émission Les couleurs de la vie. Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Gloire TV. Merci de parler de Gloire TV. Merci aussi d'être chargé de communication pour l'éternel Dieu, pour Gloire TV. À très 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 bientôt. Une petite dédicace, un joyeux anniversaire au pasteur Stan. Que Dieu te bénisse et t'accorde encore une année de grâce, une année supplémentaire de grâce, de bénédiction surabondante, surabondante et surabondante au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Oh, 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 oh. Tu es Alpha et Omega, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Tu es Alpha et Omega, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange. Reçois la gloire à jamais. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, toi, le seul et l'unique véritable Dieu. Nous t'adorons, toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu capable. Alléluia. Je t'appelle mon Père parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Tu as fait de moi ton bien personnel. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'adore. Gaïna Binga Kayo Papa.
apaya bani bili Yesu ozali pole nanga abinga kayo yaya yaya ya bali kibili Yesu ozali pole nanga Binga kayo associé, associé à misala nangaye, Yesu zali, pole nangai. Na binga kayo Emmanuel, kolokati na bato, Yesu zali, pole nangai. Yahweh, 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 Ole Nangai.